children here. Keep seeing I'm saying this. All the saints are the pastors. Je veux dire ceci au pasteur. Insist that every minister to children teach every child in Sunday school the books of the Bible. Insistez que chaque ministre aux enfants enseigne aux enfants à l'école du dimanche les livres de la Bible. All the stories of the Bible, all the stories of the Bible. Toutes les histoires de la Bible. All the parables. Toutes les paraboles du Nouveau Testament. All the miracles of Jesus. Tous les miracles de Jésus. The missionary journeys of the Apostle Paul. Les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. In the Old Testament. Dans l'Ancien Testament, every child should know the story of the creation. Chaque enfant doit connaître l'histoire de la création. The fall of man. La chute de l'homme. Cain and Abel. Caïn et Abel. The tower of Babel. La tour de Babel. The call of Abraham. La paix d'Abraham. The story of Isaac. Moi, Isaac. The story of Jacob. L'histoire de Jacob. The marriage of two wives. Le mariage avec ses deux femmes. The journey from Egypt to the promised land. Le voyage de l'Égypte jusqu'à la terre promise. The crossing of the Red Sea. La traversée de la mer rouge. Salvation in the Old Testament. Le salut dans l'Ancien Testament. The separation of man from God. La séparation de l'homme de Dieu. The blessings and the curses in Deuteronomy chapter 28. Les bénédictions et les malédictions de Deutéronome chapitre 8. The leadership of Moses. Le leadership de Moïse. The fatherhood of Abraham. La paternité d'Abraham. The call of Abraham. La paix d'Abraham. The story of David. L'histoire de David. The story of the kings of Israel. L'histoire des rois d'Israël. The story of Samuel the prophet. The story of Elijah and Elisée. The major, all the major prophets of the Bible. Tous les prophètes majeurs. All the minor prophets of the Bible. Tous les prophètes mineurs de la Bible. By the time every Sunday school child gets to the age of 16, they should know all the stories. Donc au moment où tout enfant de l'école du dimanche atteint 16 ans, il doit connaître tous ses histoires. And get every child to memorize. To know a verse of every book of God. Et amener chaque enfant à mémoriser un verset dans chaque livre de la Bible. Well, you're in Germany. Écoutez, frère, vous êtes en Allemagne. What are the secrets of Adolf Hitler? L'un des secrets d'Adolf Hitler was that he began to recruit children at the age of 7. C'est qu'il avait commencé à recruter les enfants à l'âge de 7. And indoctrinated them in Nazism. To hate the Jews. Who are the Jews? He made them to understand that the Germans are the supreme race. Il les a menés à considérer les Allemands comme la race suprême. By the time they were 16, et d'ici qu'ils avaient l'âge de 16 ans, they knew that the world belonged to them. Ils savaient que le monde leur appartenait. So conquering Europe was not complicated. Donc la conquérir l'Europe n'était pas compliqué. You see the way the German motorways are constructed. Vous voyez comment les autoroutes allemandes sont construites. Because Adolf Hitler understood. Parce que Adolf Hitler avait compris. At anywhere, any place, any time, the plane should land on any road. Partout, in Germany. N'importe où un avion peut atterrir. And take off. Autoroute en Allemagne. That's why German motorways are straight and wide. C'est pour ça que les autoroutes allemandes. It was the idea of Adolf. Droit et grand. C'était l'idée d'Adolf Hitler. After the Bierhoff Putsch in 1932. Après la crise politique de 1932, when Hitler was locked up in prison, Hitler avait été enfermé. He sat down and wrote Mein Kampf. Il s'est assis et il a écrit son Mein Kampf. What he calls his political manual. Ce qu'il appelait sa Bible politique. And began to indoctrinate children from the age of 6. Et il a commencé à indoctriner les enfants à l'âge de 7 ans. From childhood, Muslims start indoctrinating children. Dès l'enfance, les musulmans indoctrinent les enfants pour qu'ils comprennent le Coran. Why should Christians do any less? Pourquoi les croyants, les chrétiens devraient faire moins? We give birth to children, our children grow.
When they get to 16, 17, 18, they start getting confused whether Christianity is a right way. Ils deviennent confus à, par rapport à savoir si la chrétienté c'est la, la, le meilleur chemin à suivre. They start wondering whether is it Christianity, is it Islamism? Ils commencent à hésiter. Est-ce que c'est le christianisme? Est-ce que c'est l'hindouisme? Est-ce que c'est l'islam? When a child born by a Christian leader. Quand un enfant naît d'un parent chrétien. Ils ne connaissent même pas comment le monde a été créé. They don't know the mastery of the Lord Jesus Christ in healing. Ils ne connaissent pas la maîtrise du Seigneur Jésus dans la guérison des malades. We don't pump them with the word. On ne les pompe pas avec la parole. Our ministers and children don't even know the Bible. Oui, nos ministres, nos enfants ne connaissent même pas la Bible. Non, ils ne peuvent pas rendre ministère. Children should be indoctrinated in Sunday school. Les enfants devraient être endoctrinés à l'école du dimanche. When they get older, quand ils prendront de l'âge, la Bible dit qu'ils ne s'éloigneront pas de ça. They will not be confused between following Christ and following Buddha or following Mohammed. Ils ne seront pas confus quant à ce qui est de suivre Christ, suivre Mohammed ou suivre Buddha. They will become narrow-minded. Ils seront des personnes et des étroites d'esprit. Unidirectional. Dirigé unidirectionnel. Sunday school teachers are men and women who have a mastery of the scriptures. Les enseignants de l'école du dimanche sont des hommes et des femmes qui ont une maîtrise des écritures. Reciting Bible passages shouldn't be a problem. Oui, réciter les passages bibliques ne doit pas être un problème. And correctly too. Et les réciter correctement. Because not knowing it correctly produces spiritual weakness. Parce que ne pas connaître, réciter correctement produit de la faiblesse. The leaders must have a mastery of the word. Les dirigeants doivent avoir une maîtrise de la parole. Our workers, nos ouvriers, doivent connaître la Bible. The apostle Paul told Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 15. L'apôtre Paul avait dit à Timothée, 2 Timothée 2 verset 15. 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 Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Amen. 2 Timothée 2 verset 15. Littéralement,
Is there anybody with parole vivante? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec parole vivante? Le frère? Landry, c'est parole vivante. Being a Sunday school teacher is not voluntary. Être un enseignant de l'école du dimanche, ce n'est pas du volontariat. It's a ministry. C'est un ministère. It is a the teaching ministry. C'est un ministère d'enseignement. Committed to children. Engagé aux enfants. De Timothée 2, verset 15. Applique-toi à rester irréprochable. Que ton ambition soit de pouvoir te présenter devant Dieu en homme digne d'approbation. Efforce-toi d'être à ses yeux un bon ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, n'ayant jamais dévié du droit chemin dans l'annonce de la parole de vérité. Un intendant qui a dispensé cette parole avec droiture en la communiquant à chacun selon ses besoins. Voilà. Amen. Now let's read it. Lisons-le en anglais. 2 Timothée 2. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Do your best to present yourself to God as a man approved. Fais de ton meilleur pour te présenter devant Dieu comme un homme approuvé. In the King James version. Dans la version King James in English. Dans la version King James en anglais. Non. Yes. That's what I'm looking for. Donc c'est cette version aussi que je recherche. Study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. He says, study. It is étudie. Study. Étudie. To show yourself a man approved. Pour te présenter un homme approuvé. Pastor Jimbo, when a Christian worker studies the Bible, God has a worker. Donc quand un leader chrétien étudie, il y a sa parole, Dieu a l'ouvrier. It is Bible study that produces Christian workers. C'est l'étude de la Bible qui produit des ouvriers. Paul told Timothy. Paul avait dit à Timothy. If you want to be a competent Christian worker, study the word. Si tu veux être un ministre compétent de la parole, étudie. Every minister to children must study the word. Chaque ministre aux enfants doit étudier la parole. But when they think that they're volunteers. Mais quand ils pensent que c'est du volontariat. Because the church needs. Parce que l'église a besoin. Volunteers. Pastors tell them. Les pasteurs disent, leur disent. We need volunteers who take care of our children. Nous avons besoin des volontaires qui prennent soin de nos enfants. They go and buy 3 bags of crisps. Ils vont acheter 3 paquets de chips. They buy chocolate. Ils achètent des chocolats. And sweet drinks. Et des boissons sucrées. And biscuits. Et des biscuits. Come and tell children a few stories for 10 minutes. Ils viennent raconter quelques petites histoires avant pendant 10 minutes. And the whole time they spend eating crisps and eating biscuits. Et tout le reste du temps, ils passent le temps à manger des biscuits, manger des chocolats. That's not ministry. Ce n'est pas ça le ministère. The minister to children must be disciplined. Le ministre aux enfants doit être discipliné to study the word. Étudier la parole. Communiquer the word to children. Communiquer la parole. Because the minister to children, when he stands, when he or she stands before children, he sees competent workers for the future. Parce que quand le ministre aux enfants se tient devant les enfants, il voit des
des ministres compétents pour l'avenir. He's producing workers for the future. Il est en train de produire des ouvriers pour l'avenir. But when he himself doesn't even know the parables of the Bible. Mais quand lui-même ne connaît pas les paraboles de la Bible. Does not know why Jesus used parables. Il ne connaît même pas pourquoi Jésus avait utilisé des paraboles. Does not know why Abraham was the father of nations. Ne connaît pas pourquoi Abraham était le père des nations. Does not know why Jesus was born. Ne sait pas pourquoi Jésus fut né. When a child grows up in Sunday school, quand un enfant grandit à l'école, and does not know why Jesus was born. Et ne sait pas pourquoi Jésus est né. Does not understand the virgin birth. Ne connaît pas, ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est une vierge. Why Jesus was called Emmanuel. Pourquoi Jésus a été appelé Emmanuel? Does not understand the dedication of Jesus. Ne comprend pas la dédicace du Seigneur Jésus. Does not understand the consecration of Jesus. Ne comprend pas la consécration du Seigneur Jésus. What are we producing? Que sommes-nous en train de produire? What are we producing? Que sommes-nous en train de produire? I've talked about this meeting since the last retreat. J'ai pensé à cette réunion depuis la dernière fois. J'ai pensé à cette réunion chaque jour. Seigneur, je tremble, oh Dieu. Seigneur, quand mes frères étaient...